Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir et un honneur de contribuer à cet anniversaire. Je suis impressionnée par votre campus. Je suis ici pour la première fois physiquement. J'ai déjà participé à des conférences en ligne. C'était fantastique, mais maintenant, je suis ici en présence et je vous remercie de m'avoir invité. J'aimerais parler des données et des technologies. Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour la planification urbaine ? Je vais me concentrer surtout sur les collaborations. Et j'aimerais également, j'étais très content aussi d'entendre M. Messerli, donc l'orateur précédent, car il cherche à changer, à transformer les systèmes. Et comment est-ce qu'on peut faire cela avec la planification urbaine? Je vais surtout parler des villes, mais c'est la même chose pour les régions. Donc j'ai deux laboratoires. Ville, un à Hambourg et l'autre, c'est une coopération avec UN Habitat qui est aussi à Hambourg et à Nairobi. Nous travaillons vraiment localement, dans un style très local. Nous parlons d'unités statistiques, donc on collecte et on combine des données d'un bâtiment, de l'angle d'une rue, lorsqu'il y a un problème de mobilité. Nous travaillons aussi à une échelle beaucoup plus large, mondiale, comme par exemple dans une ville comme Lagos, en Afrique. Donc, on travaille tant au niveau local que mondial. Ici, vous pouvez voir donc notre laboratoire de sciences de la ville. On appelle cela le Lab Media MIT. Nous avons des scientifiques et des activistes qui sont réunis. Il y a un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Chaque jour, on essaye de réduire cet écart. On essaye de transformer les choses. Donc, nous avons donc établi donc, des... champ porté au niveau de la ville, donc nous sommes à Hambourg. Si vous voulez changer les systèmes et si vous voulez vraiment créer un impact en tant que scientifique, vous devez être connecté au gouvernement d'une ville ou au gouvernement d'un pays. Pour nous, il était très important d'être soutenu par le gouvernement. Sinon, nous n'allons pas pouvoir créer cet impact. Nous travaillons aussi beaucoup avec la société civile, les ONG, avec des activistes à la racine, en fait vraiment à partir de la base. Et nous pensons que c'est très important, cette connexion, parce que souvent elle est très faible. Pourquoi un laboratoire de ville? Je ne sais pas si vous avez ça à Lausanne ou à Genève. C'est comme une université, donc nous sommes financés, mais c'est basé sur le volontariat. Nous ne voulons pas vendre un produit, nous n'avons pas d'agenda politique en tête, nous sommes des chercheurs, nous sommes un peu plus neutres, et nous offrons cet espace expérimental donc aux personnes de la ville, aux employés, aux maires, aux différentes personnes donc de la ville qui viennent dans ce laboratoire lorsqu'elles veulent penser en dehors d'une boîte, sortir de leur bureau. Et parfois, c'est bon d'être dans un autre espace. C'est déjà un rôle qu'on peut jouer en tant que scientifique, d'offrir cet espace. Lorsque je parle de collaboration, nous collaborons entre la société civile, la science, la politique et l'économie. Nous collaborons également avec des sociétés. Nous avons un projet qui s'appelle AirView, donc nous collectons des données sur l'air pour voir comment augmenter la qualité de l'air. Parfois, c'est aussi difficile pour nous car les sociétés viennent dans les villes. Et il faut qu'elles rendent leurs données disponibles aux citoyens. Ici, par rapport à notre champ de recherche, c'est des collaborations, comme je l'ai dit. Donc, souvent, c'est de la cartographie, de la modélisation, c'est faire en sorte que les données deviennent interactives.
Donc, on introduit la technologie dans la société. Comment est-ce qu'on lie cela au processus de gouvernance et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans une ville? Pour moi, on a beaucoup de technologies, mais le point, c'est plutôt qui les utilise et comment est-ce que cette technologie peut avoir un impact. Nous savons qu'il y a tellement de technologies de partout qui n'ont pas d'impact car c'est trop compliqué et c'est pas au niveau des personnes, bien sûr, la modélisation. Des écosystèmes de données. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis hier. On a également donc des récits et des interfaces. Comment faire en sorte que les données soient accessibles? Il y a beaucoup de conflits donc, dans les villes, dans la planification des villes. Donc, on veut maintenir et générer la démocratie. Il y a beaucoup de populisme par rapport à la planification des villes. Ce n'est pas facile donc, dans la ville, car c'est complexe. On doit expliquer aux gens jusqu'à quel point c'est complexe. On a beaucoup de données. Qu'est-ce qui est nouveau? Nous avons beaucoup d'opportunités de collaboration. Donc, on a un logiciel qui relie les données. C'est une bonne manière pour les villes. C'est la même chose pour une entreprise. Si vous avez SRP, par exemple, donc on utilise des données d'itération. Donc, on a des feuilles Excel et on passe sur des plateformes beaucoup plus complexes. Donc, c'est difficile de connecter toutes les données d'une ville correctement. Donc, on a ces outils de collaboration pour la ville. Et pour vous donner des exemples, je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Donc, nous avons ce projet pour trouver des endroits pour des réfugiés. Vous vous souvenez, donc, pendant cet hiver, quand il y a eu d'aussi nombreux réfugiés qui sont arrivés en Europe, Angela Merkel, notre ancienne chancelière. Donc, vous voulez trouver un foyer pour chacun d'entre eux. Mais malheureusement, on n'avait pas la place qu'il fallait. À Hambourg, nous avons quand même accueilli 40 000 personnes en 4 mois, donc la vitesse est très rapide. Et donc, grâce à cela, on s'est dit, voilà, on doit trouver des endroits, localiser les gens, etc. C'est un processus d'engagement. Ici, vous voyez qu'on a utilisé des Lego. On aime travailler de manière analogue aussi avec les gens. Les personnes peuvent toucher les outils. Ce n'est pas seulement des écrans tactiles, on a aussi des objets analogues. Et c'est très important d'utiliser ces outils aussi. Ici, je vous montre à nouveau cette photo. Donc on a le soutien du gouvernement avec le maire d'Hambourg pour trouver des logements aux réfugiés. C'est clair qu'on a besoin d'avoir le soutien du gouvernement. Sinon, les gens restent justement dans un état de précarité. Peu importe où on va, dans n'importe quelle ville, il faut demander s'il y a une plateforme de données urbaines. Si vous avez un portail, des normes pour l'utilisation des données, est-ce qu'il y a une possibilité? Il y a vraiment donc des différences. Il y a certaines villes qui ont des plateformes ouvertes de données, d'autres, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a une différence entre Zurich et Genève, par exemple. Et les villes doivent investir beaucoup d'argent pour avoir ces systèmes de données. Et là, on peut avoir justement des tableaux de bord, etc., pour les données. L'engagement des citoyens, c'est très important. Dans le passé, c'était très analogue. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Aujourd'hui, cela ressemble à cela. Nous avons beaucoup de données qui sont créées par le biais des téléphones portables, les écrans tactiles. Donc, pour la participation, on utilise le machine learning. Donc, on réunit tous les commentaires des citoyens, car il y en a de plus en plus. Et pour nous, c'est difficile, parce qu'avec autant de commentaires de la part des citoyens, comment est-ce que nous pouvons les évaluer? Et c'est un sujet de recherche qui est important. Donc,
pour ceci. Alors ensuite, les jumelages. Donc ici, on a beaucoup d'ingénieurs. Donc quand on veut établir justement un jumelage entre deux villes, c'est un système qui est très complexe. On l'a fait par exemple pour Munich et Leipzig. Donc tout d'abord, on doit étendre notre plateforme de données. On dit qu'on ne veut pas faire un seul jumelage, mais plusieurs. On est en train d'établir différents outils techniques, justement, pour établir ces jumelages. Et notre idée, ce n'est pas d'avoir des données qu'on peut voir en 3D. On le fait, mais c'est beaucoup plus la question de quel type de données devons-nous introduire qui vont présenter une ville de la bonne manière. Nous savons qu'il y a de nombreuses données. En fait, il y a un manque de données. Donc, on crée un outil pour la collecte de données. La micro-mobilité, par exemple, on a peu de données. On a beaucoup de données sur la mobilité, mais par exemple, pendant la pandémie, si les gens prenaient soin des personnes âgées, des personnes malades, des enfants, nous n'avons pas de cartographie à ce sujet. Donc maintenant, on a un outil pour la collecte de ce type de données. Et ensuite, on essaye donc de créer un modèle. Donc vous voyez que pour nous, le jumelage qui ressort donc de la planification, donc on voit la ville qu'on veut avoir avec le jumelage digital. Nous faisons aussi beaucoup de travail transmédia, surtout pour la planification, donc la co-création avec les citoyens, les experts aussi. C'est lié avec des pièces, la perception des villes. Nous avons fait un projet. Donc, c'était la création d'un parc à Hambourg. C'est une très grande zone. Et ce qu'on fait avec les citoyens, c'est qu'ils peuvent utiliser des lunettes, entrer dans le monde virtuel et collaborer dans ce monde virtuel. C'est un très joli projet. Certaines personnes donc, vont très vite avec cela. D'autres personnes ne se sentent pas très bien avec ces lunettes, donc c'est un processus par lequel il faut passer, donc les personnes peuvent faire la planification de la ville dans le monde virtuel. Un autre projet qui est très important et l'un de nos plus importants projets à l'heure actuelle, c'est un sujet pour beaucoup de régions et de villes dans le monde, c'est comment combiner les données d'une ville. Donc ce projet s'appelle le COSI, donc c'est la connexion des données. C'est un logiciel qui fonctionne avec Internet qu'on a créé avec Agile et les employés de la ville peuvent le tester. Et à présent, j'aimerais céder la parole à mon collègue Daniel Schulz qui va expliquer le logiciel dans cette petite vidéo d'une minute. L'idée de base de COSI, le cockpit de l'infrastructure sociale, c'est d'avoir un système de géo-information en temps réel depuis la plateforme de données qui donne accès à des informations pour la planification urbaine. Ce n'est pas un programme qui donne une solution optimale, mais ça nous donne des opportunités de travailler donc sur les données à différentes étapes des projets. Et grâce à cela, donc on a un travail de collaboration pour atteindre cette flexibilité dans l'application. L'outil a trois fonctionnalités principales, la visualisation, l'analyse et la simulation. Donc, on peut voir les districts de manière individuelle et voir les besoins. Les administrations sont devenues prudentes quant aux questions juridiques et de confidentialité. On a un meilleur accès, une analyse rapide pour la planification sociale
Et grâce à cela, donc, vous pouvez avoir accès aux données de la ville facilement grâce à Cozy. Donc, il y a une demande, c'est visualisé, il y a une analyse, une simulation, une planification. Et cela génère donc des savoirs pour la planification urbaine. Donc, Daniel nous a aidés dans ce projet et ça rend la vie de nos planificateurs beaucoup plus facile. Elle n'a pas besoin de demander autant de données que précédemment. Donc, justement, les décisions sont prises sur la base des données. C'est plus seulement d'un point de vue émotionnel. On peut connecter les données grâce à cette plateforme et faire une simulation et des calculs. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on met une école dans cette zone? Qu'est-ce qui se passe s'il y a davantage de logements résidentiels, etc. Donc, si c'est bien utilisé, beaucoup de gens aiment cela. Et cela, dans nos recherches de transformation, ça renforce notre capacité donc, et avec nos partenaires qui les utilisent. Bien sûr, nous avons un programme pour que les employés puissent l'utiliser. Présent, la collaboration basée sur les données, c'est ma mission, c'est mon appel. Donc, c'est vraiment une approche multipartite. C'est justement pour dépasser le fait qu'il y ait des données qui restent dans des silos. Donc, il y a ce logiciel qu'on vous a présenté, d'autres solutions qui nous permettent à présent de partager les données. C'est sans précédent en comparaison au passé. C'est vraiment nouveau. Cela nous permet aussi d'avoir davantage de données sur les citoyens. Beaucoup de villes, de régions, de pays travaillent avec ces données sur les citoyens. Et lorsque vous regardez comment est-ce que ces données sont utilisées, elles ne sont pas nécessairement connectées aux données de la ville. Donc, il faut que cela soit relié. Comme je l'ai déjà dit, connecter les données, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de nombreuses options pour les connecter. Il y a aussi une cartographie collaborative dans les pays en développement, en Afrique, en Amérique du Sud. Il faut d'abord collecter les données, faire une cartographie. Ensuite, il faut co-créer la ville. Donc, on peut utiliser la virtualité, la réalité augmentée. Et ensuite, dans la discussion justement du jumelage, la collaboration entre les villes ou entre les régions augmente, ou d'un pays à l'autre aussi. L'Europe, je sais que c'est difficile, mais c'est une idée de la façon dont les données vont être normalisées. Ce n'est pas juste un problème asiatique ou chinois. Je viens de lire un livre dont le titre est « The Digital City Creating Data for Urban Collaboration » de Vanessa Weber. Donc, c'est toutes ces technologies, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on crée des équipes et comment est-ce qu'on utilise les outils. Un ou deux mots. Et ensuite, je rends par rapport donc au lab des Nations Unies à Hambourg, en Allemagne ou en Europe. Les Nations Unies, un jour, ils sont venus dans notre laboratoire et nous ont dit « Ah, c'est super, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les Nations Unies ?» Nous avons de grandes villes. Les 30 grandes villes émergentes en Afrique, Lagos est censée être l'une des plus grandes, deviendra l'une des plus grandes villes au monde. Et donc, ils nous ont dit « Est-ce que vous pouvez nous aider avec les outils pour mieux organiser les villes ?» Parce que lorsque vous allez donc dans les pays du Sud, vous avez beaucoup plus de photos comme celle-ci que j'ai prise à Buenos Aires. Et il y a un manque de données très souvent. Et la première chose à faire, c'est
de collecter ces données. Nous travaillons dans différents pays dans le monde, beaucoup en Afrique. Nous créons donc ces systèmes. L'engagement des citoyens est aussi très important dans beaucoup de pays. Ils cherchent à établir la démocratie. Il y a beaucoup de demandes de la part des pays africains, les gouvernements qui veulent parler à leurs citoyens. On a aussi beaucoup de problèmes environnementaux et climatiques. Nous utilisons aussi donc ces outils dans les villes dans les pays du Sud. Nous ne transférons pas nos technologies aux pays africains. Tout d'abord, on crée des équipes, des collaborations. On regarde qui pourrait être responsable des outils, par exemple à Durban. On a regardé pour justement des logements informels et maintenant donc on a quelqu'un sur place qui gère ce système et qui voit comment cela fonctionne et c'est comme cela aussi qu'on peut créer un impact. Et c'est ma dernière phrase. Je sais que pour de nombreux jeunes chercheurs, voilà, on doit dire, voilà, vous devez sortir une recherche, vous devez être interdisciplinaire, une approche multipartite. Mais pour les jeunes chercheurs, ils doivent se concentrer sur les disciplines, ils doivent faire des publications, ils doivent écrire leur thèse, etc. Et on doit à chaque fois lutter, chaque jour. On leur dit, voilà, vous avez un certain temps justement pour faire des recherches en profondeur, mais vous devez aussi faire d'autres choses, avec une approche justement avec différentes parties prenantes. Et les scientifiques ont un rôle très important à jouer pendant cette nouvelle décennie qui est transformative et basée sur les données. Et c'est au cœur de tout pour faire en sorte que les choses puissent se produire. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Very interesting. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Prenez place. Nous allons passer à notre tour de table en commençant tout d'abord par une enquête sur Menti, comme nous l'avons fait ce matin. Donc, j'appelle les panélistes à me rejoindre. Nous avons Amir Rezaï, Oka Fink et Julia Walti. Tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Pourrions-nous mettre les diapositives? Voilà. Voilà la question qui vous est posée sur Menti. Vous savez maintenant comment utiliser votre application. Donc, utilisez votre smartphone et répondez à cette question. Quels sont les obstacles à l'utilisation des outils numériques pour la transformation des territoires et des villes? Réponse A, le manque d'informations sur leur potentiel. Réponse B, le manque de personnel formé. Réponse C, le coût. Et réponse D, la peur de la surveillance par le GAFAM. On sait qu'ils ont souvent le contrôle de ces données. Ça peut être effrayant. Et en effet, je vais donc demander à mes panélistes ici présents de donner une réaction à vos votes, à votre opinion, votre perception de la situation. Impressionnant. Il nous reste 10 secondes et nous allons ensuite commencer notre discussion. Donc je vais commencer tout d'abord par Olga Filk. Vous êtes professeur ici à Enact et je vous demanderai votre avis à ce sujet. Et ensuite, je passerai la parole à Amir Rezaï. Olga, qu'en pensez-vous? It looks a bit surprising. Un peu étonnant. It also has been, I believe, one of the
Mais c'est peut-être une des raisons pourquoi beaucoup de projets de Smart Cities ont éprouvé des difficultés. Je pense également que le manque de professionnels formés, c'est très important lorsqu'on parle ici d'urbanisme, d'aménagement du territoire, des hôpitaux. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la discussion que nous venons d'entendre. Il y a également certaines des réponses, par exemple la collaboration, qui n'était pas là. La collaboration entre les big tech et les gouvernements, par exemple. Et les startups. D'accord. Amir, vous êtes le PDG de Swiss Inspect. C'est une startup. Donc, vous avez une expérience de premier plan quant à ces nouveaux outils. Pourriez-vous nous donner votre opinion, votre analyse de cette enquête que nous venons de mener auprès de notre public? Alors, moi, je n'aurais choisi aucune de ces options, pour être honnête. En particulier lorsqu'on parle de la construction et de du génie civil, parce que cette industrie s'applique à des processus de longue durée. Pourquoi ? Parce que nous faisons face aux questions de sécurité, de la sécurité des personnes. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ouverts aux outils numériques et aux nouvelles technologies, mais cela prend du temps. Parce que ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies doivent être validées et testées de manière adéquate pour que nous puissions les utiliser en pratique. Et en particulier, lorsque nous discutons des questions d'analyse de données, je pense que nous n'allons pas oublier ce que nous avons appris, notre expérience, ce que nous avons appris grâce à la science pure et dure. Nous n'allons pas passer tout de suite complètement à l'analyse des données. Je pense que la valeur ajoutée, c'est si on combine les deux, si on a pu apprendre beaucoup de choses grâce à la physique, et si on arrive à le combiner avec ce qu'on apprend, de l'apprentissage par machine, par exemple, ou de l'analyse des données, c'est là que nous aurons des effets positifs. Je pense que les architectes, les ingénieurs civils sont les pionniers de cette transformation numérique. Et donc, on doit le faire de manière collaborative, avec un environnement qui permet à des personnes de différents domaines, y compris les sciences des données, les sciences informatiques, puissent contribuer, afin que nous puissions utiliser leur expérience, mais également obtenir des outils créatifs qui sont utiles pour les citoyens, les sociétés, et respectent nos exigences. Julia, alors. Julia Velti. Vous êtes étudiante. Et vous êtes dirigée vers l'ingénierie environnementale avec également une spécialisation en sciences des données. Donc, quelle est votre réaction lorsque vous voyez les résultats de cette enquête? Alors, je n'ai pas travaillé dans ce domaine de l'industrie, donc je ne sais pas vraiment. Mais en tant qu'étudiante, je dirais ceci. Peut-être qu'il y a un manque d'informations. En tant qu'ingénieur environnemental, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de cours ou d'informations quant à l'utilisation des sciences des données dans notre domaine. C'est quelque chose d'assez novateur. Cette année, ils ont réorganisé le master. Je n'en suis plus membre, mais donc aujourd'hui, je pense qu'ils se concentrent plus sur les sciences des données et numériques. Oui, c'est un point intéressant à discuter plus tard avec nos doyens de l'ENAC qui viendront prendre la parole. Bien sûr, que vous voudriez plus de cours. Oui, mais ils l'ont fait. C'est juste que j'ai fini mon master. Alors, Geza Zimmer, quelle est votre réaction? Alors, je vais répondre quant à cette menace de la part du secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à cette solution. Alors, oui, c'est un problème. La semaine dernière, en Afrique du Sud,
nous avions une intelligence artificielle capable d'analyser les bâtiments qui permettait de compter les habitats informels parce qu'on se rendait compte que le gouvernement ne savait pas où se trouvaient ces personnes, où elles étaient, donc c'était un algorithme assez simple. On n'a pas eu le droit d'utiliser le titre intelligence artificielle parce qu'il y a toujours cette impression que c'est dangereux. Et en plus, si on dit que c'est de la surveillance, un traçage, alors là, les gens ont encore plus peur parce qu'ils ont envie de protéger leur vie privée. Donc, il faut faire très attention. Donc, on a changé simplement le titre parce que ce n'était pas du tout un outil de traçage ou nuisible. C'était vraiment quelque chose qu'on utilisait que pour compter le nombre de toits d'habitats informels. C'est tout. Alors, il est important que les villes soient les gouverneurs de leurs données. Ce ne doit pas être les grandes entreprises, ce doit être les villes qui possèdent ces données. Et si ce n'est pas le cas, alors elles ne sont pas protégées, ces données. Et il faut que ces villes également, bien sûr, soient des villes démocratiques. Et je pense que l'Europe a des bonnes lois de protection des données et on permet en Europe l'utilisation des données. Mais quand on va dans d'autres pays, la protection des données est nettement moins bonne aux États-Unis, par exemple, ou en Asie, par exemple, vous pouvez obtenir les données sur ce que vous voulez. C'est vraiment une question culturelle. Savoir quelle juridiction des données on possède, mais il faut les prendre en compte et être très prudent. Vous avez présenté un outil qui est un type d'outil, mais il y en a d'autres. Ainsi, j'aimerais demander à Olga Vink de nous expliquer ce que vous faites à votre laboratoire, quel type d'outil vous mettez en place, vous développez plutôt. Et Amir, également, que fait Swiss Inspect? Quelles sont vos offres technologiques? Donc tout d'abord, Olga. Alors, nous œuvrons à développer des solutions, des algorithmes d'apprentissage par machine qui prennent en compte des données de surveillance qui sont collectées sur des systèmes complexes, des infrastructures. Et notre objectif, c'est de détecter des défaillances, mais également d'être capable de distinguer entre les différentes défaillances pour dire ce qu'il faut faire et prédire ce qui va arriver. Donc nous observons différents systèmes, par exemple le système de transport ferroviaire, afin de donner des décisions éclairées et programmer l'entretien lorsqu'il est nécessaire et pas simplement lorsqu'il est planifié habituellement. Pourriez-vous nous donner un exemple spécifique? Oui, alors par exemple, nous avons un projet. Nous essayons de surveiller les roues des trains. Ça semble assez simple, mais pourtant, c'est un des systèmes les plus chers, les plus coûteux sur un train. Et donc, il est analysé non pas par le train, mais par l'infrastructure elle-même. Donc, nous obtenons des informations grâce à différents détecteurs. Et la question se pose de savoir lorsque la roue n'est plus dans sa condition normale, elle est en déviance et à quel moment il convient de la remplacer et savoir s'il est toujours efficace d'un point de vue coût de voyager avec cette roue. Donc c'est ce type de détecteur que nous utilisons et que nous utilisons également pour d'autres choses, par exemple pour voir, pour surveiller si les wagons de fret sont équilibrés pour leur poids. Et nous utilisons différents types de détecteurs pour la surveillance en direct de des trains. Alors, pour vous, Swiss Inspect, alors tout d'abord, je vais commencer par les problèmes que nous essayons de résoudre et puis les solutions que nous proposons. Pour le moment, les gérants des infrastructures doivent effectuer des maintenances, des surveillances assez régulière, par exemple pour les routes, les ponts. Donc pour le moment, c'est des inspections qui se font de manière visuelle, c'est-à-dire que nous avons des ingénieurs qui vont sur site,
Ils prennent des photos, des mesures, ils reviennent au bureau et puis rédigent un rapport d'inspection. Quel est le problème de cette approche actuelle? Tout d'abord, elle est subjective. En fonction de l'expertise, du niveau d'expérience de l'ingénieur, des conditions environnementales, du jour de l'inspection également, tout ceci va affecter le rapport par rapport, par exemple, à la sévérité des dégâts. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité de ce système. On ne sait pas quantifier les dégâts, par exemple, une fissure. On ne sait pas à quel point elle évolue entre différentes inspections. Donc, à Swiss Inspect, ce qu'on propose et ce qu'on développe, c'est un système par image qui fonctionne par la physique d'intelligence artificielle qui nous permet de créer un jumeau structurel. Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique numérique d'un actif qui contient toutes les informations avec la géométrie, des informations quant aux dégâts, les différents types de dégâts qui sont détectés grâce à l'intelligence artificielle. On peut avoir la gravité, la croissance, l'évolution de ces dégâts entre les différentes inspections. Et donc, le gestionnaire de l'infrastructure, en fin de compte, a vraiment un double numérique de l'infrastructure, de la structure qu'il peut utiliser pour planifier son intervention, sa maintenance, son entretien, et permettre de le gérer tout au long de sa durée de vie. Julien, est-ce que vous pourriez vous voir travailler pour Swiss Inspect à l'avenir? Est-ce que vous aimeriez? Oui. Oui, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas encore exactement ce que je ferai de mon avenir. Avez-vous déjà choisi la thématique de votre thèse? Non, il me reste encore un an, donc pour le moment, je me concentre encore sur les différents cours pour voir si je trouve quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Pour le moment, je n'ai suivi que les cours obligatoires. Olga et Amir, vous avez parlé de trois points très complexes, mais vous êtes également membre d'une association qui s'appelle FUSTECH. Donc j'aimerais vous demander d'expliquer ce qu'est FUSTECH et pourquoi travailler pour FUSTECH. Parce que cela nous montre quel est l'intérêt d'avoir une approche pluri-acteur, pluri-partie prenante à ces questions. Alors, je pense que l'un des défis majeurs de cette transformation numérique, c'est la gestion. Donc, tout d'abord, FUSTECH, ça a été lancé quand? Qui l'a lancé? Alors, c'est une spin-off, en fait, de l'ENAC. Donc, du professeur Binder et d'autres membres. Quel est l'objectif de cette association? C'est de répondre au changement climatique d'un point de vue transdisciplinaire. C'est cela? Oui. Mais en même temps, l'objectif est également de réunir toutes les parties prenantes dans ce domaine, c'est-à-dire le secteur privé, le secteur public, les ONG, les startups, et donc une plateforme de chercheurs de solutions qui peut également être réunie avec les fournisseurs de solutions telles que Swiss Inspect. Alors, vous êtes également membre de FUSTECH et d'ailleurs, vous avez votre assemblée générale aujourd'hui un peu plus tard. Donc, pourriez-vous nous parler de cette initiative très positive? Je pense que c'est une initiative assez unique qui permet de réunir tous ces différents domaines, non seulement d'un point de vue de la recherche, mais également du côté public, des entreprises, pour leur permettre de commencer un projet ensemble. Ceci a permis de trouver les bons partenaires pour les projets, mais également de permettre d'être plus agile, plus flexible et de répondre plus vite
C'est pourquoi nous avons besoin de cette association pour pouvoir avoir plus de réactivité, lancer des projets, réunir des personnes, mener des discussions de différents points de vue. Alors, je vais revenir là-dessus et puis je donnerai la parole à notre public. Et nous avons une question un peu plus générale. Donc la question était de savoir comment vraiment tirer les bénéfices des objectifs, des outils numériques pour la planification, l'aménagement du territoire. Professeur Zimmer, où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans l'utilisation de ces outils en Europe? Prenons l'Europe comme exemple. Alors, je pense que nous avons vraiment des compétences et des outils très développés. Je pense que lorsqu'on le regarde autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de technologies développées, mais par contre, on ne sait pas vraiment comment les utiliser pour qu'elles aient réellement un impact. J'aimerais ajouter quelque chose. Julia, vous étudiez ici les analyses de données, ou quel est votre... Oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment une approche interdisciplinaire de l'éducation à l'université, que vous fassiez du codage, de l'analyse des données, mais également de la sociologie, par exemple, de la philosophie, de l'approche sociétale. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre programme de cours, mais c'est très important. On cherche toujours des codeurs, des programmeurs plutôt créatifs, mais c'est très difficile. On est toujours dans cette difficulté, on ne trouve pas ces personnes. On a ces scientifiques de l'informatique, on a également ces urbanistes, mais on n'a pas l'interface entre les deux, parce qu'on ne les forme pas, ces personnes, ou pas suffisamment. Donc, cela semble être une offre d'emploi, non? Et on avait un programmeur, Daniel, et il a dû se montrer souple pour pouvoir travailler avec les employés de la ville de Hambourg. Et à un moment, elle a dit, j'ai un fichier PDF. Et elle avait des questions toutes simples, comment l'ouvrir? Et il devenait fou. Il voulait arrêter son emploi. Et là, maintenant, il a créé cet outil qui est vraiment très efficace parce qu'il a répondu aux besoins. Et je pense que c'est ça qu'on veut. Quand on parle de smart city, j'aime pas beaucoup ce terme d'ailleurs, eh bien il nous faut des cas d'utilisation qui ont du sens, c'est tout à fait essentiel. Et beaucoup de personnes ne sont pas capables de créer des usages utiles.